La cigale HRL Jessica Tivona a eu de grossesses compliquées mais est fière de sa famille, qui s'est agrandie le 22 août dernier. En effet, l'épouse de Thibaut Garcia a mis au monde sa petite fille, prénommée Léouane ce jour-là. Une arrivée prématurée qui s'est soldée par quelques jours en néonatalité. Après avoir confié ses difficultés à ses abonnés sur Instagram, la jeune maman de 32 ans a partagé sa joie immense et a raconté la toute première rencontre entre son fils Melon, âgé d'un an et demi, et sa petite sœur. Tenant sa princesse dans ses bras, l'influenceuse déclare, émue, « Là ça y est. On est à la maison. On a ramené Léouane à la maison. C'était incroyable, la rencontre avec son frère. C'était. J'ai pas les mots, c'était fou. C'était le troisième plus beau jour de ma vie. La naissance de mes enfants plus leur rencontre. C'était wow, avoue l'ancienne candidate de télé-réalité à ses fans. Jessica Tivona affirme qu'elle et son mari ont fondu en larmes en voyant leur grand garçon accueillir sa petite sœur à bras ouverts. Une rencontre que la maman appréhendait beaucoup. Toute la journée, elle n'a pensé qu'à ce moment et stressait au bord des larmes. Jessica Tivona a eu quelques mots gentils pour le personnel soignant, qui s'est occupé de son nouveau-né et de son couple. Ils ont été hyper présents, ils nous ont rassurés. Ils nous ont laissé nous reposer quand on en avait besoin. Ils ont été adorables. Notre famille est enfin réunie et on va enfin pouvoir kiffer, conclut l'ancienne candidate des Marseillais. Heureuse et fière de sa petite tribu, Jessica Tivona a toutefois fait le choix de ne plus avoir d'enfants. C'est quelque chose de merveilleux, de magnifique, j'ai toujours voulu avoir un garçon et une fille. Donc ça suffit pour moi, j'en reste là. C'est que du bonheur mais je ferme la boutique. Expliquait-elle en story le 28 août dernier.